c'est un groupe de tango. La formation du quartet est parfaite en termes de son, déjà, parce que c'est une musique qui nécessite pour vivre d'un peu de matière. La formation est classique. Après, c'est ce qu'on veut en faire qui est peut-être moins classique dans la recherche de programme qu'on a mis 2 ans à mettre en place. Ça a été d'abord une grosse recherche de matériel, de contact de compositeurs. De sélection, d'adaptation, d'arrangement. Ces tangos qu'on joue, ils sont écrits pour la plupart pour des formations orchestrales, la formation d'orchestre de l'âge d'or. Une des particularités du répertoire, c'est de les réduire pour notre formation. La plupart des compositeurs qu'on joue, ils sont reconnus comme des maîtres en la matière. Ma crainte, c'était de passer à côté de l'essence du tango, en fait. On s'est vraiment donné comme objectif de trouver notre son à partir de ce qu'on était. Ouais, et puis que le quartet puisse être aussi un petit laboratoire. Ouais, c'est ça. On cherche des choses et ça marche, en ça partant, marche. Ouais, en partant de la musique traditionnelle. Je pense qu'on avait tous un attrait vers cette esthétique, le tango, pour des raisons différentes. T'as une approche du piano qui est assez expérimentale. On t'ouvre souvent le piano, tu vas gratter dedans. Le tango a cherché ça aussi finalement, et je trouve ça intéressant que nous on le fasse aussi avec les sons qu'on a pu développer dans d'autres types de musique. Il y a pas mal de tensions dans les harmonies qui sont super intéressantes. C'est comme un élastique, ça joue sur le temps, la façon de concevoir le temps. C'est une musique des extrêmes quand même, aussi bien au niveau des articulations, des nuances, du phrasé. Puis il y a une réelle profondeur dans cette musique. Dans les musiques traditionnelles, je trouve qu'il y a quelque chose qui touche au cœur, parce que ça vient de très loin. Beaucoup de choses qui se contrastent, et puis c'est une musique vivante, quoi. Ça a évolué avec son temps aussi, et je trouve que c'est une musique contemporaine dans le sens actuel, quoi. Ouais. C'est vraiment une musique populaire, quand même, à la base ouais. Ça peut donner aussi un programme éclectique, alors qu'on fait entre guillemets que du tango.